Oh, t'es malade, un vidéo de Marginaux, il a fait un truc de malade. Ouais. Attends, je vais regarder ça tout de suite, frère. Quoi, Omar? On regarde tes vidéos. Ah, vous regardez mes vidéos? Ouais. Mais vous êtes même pas abonné. Mais comment on fait? Comment on fait? Vous allez sur le bouton rouge, vous mettez abonné. Après, vous allez sur la cloche des notifications et vous mettez activé. Allez, c'est parti. Allez, je m'abonne. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. C'est moi qui voulais faire l'intro. Allez, vas-y, je te laisse. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Vas-y, maintenant, tu peux la faire. Nouvelle vidéo en compagnie de Omar. De Younes, donc Omar Miskine, depuis cette semaine, il est dans un mauvais mood. T'as de la chance qu'il y a Yacine, c'est lui la vision à avoir. Il est dans un mauvais mood. Donc, du coup, moi, je sais ce que c'est d'être un gamer, je sais ce que c'est d'avoir la haine, je sais ce que c'est de se faire hacker mon compte, parce que je me suis fait hacker mon compte. Tu te rappelles ou pas? Mon compte, je me suis fait hacker. En 2009. Il y a un mec qui m'a dit Yacine, je vais te faire un lobby. J'étais content, il m'a dit, il va me faire un lobby. Donc, il va me mettre tous mes statistiques au max, il m'a pété à mon compte. J'avais tellement le seum, j'étais content. Tu l'as récupéré depuis? Non. Par contre, Younes, il lui a fait un truc de ouf. Younes, après, il avait fait un truc de malade. Moi, je m'en rappellerai toute ma vie. Il avait spoilé pendant une heure. Pour moi, c'était pire qu'un viol. Pour moi, c'était pire qu'un viol. On va pas le dire. Mais c'était un truc de ouf. Bon, du coup. T'inquiète. Là, on va appeler ça la visite d'Epic Games. On va essayer de reprendre tes skins. Oui, ils vont me répondre. On a trouvé le numéro sur internet. C'est un numéro qui est surtaxé, donc faut que tu fasses vite, Younes. Il faut que tu essayes de pas trop rester longtemps. Et tu connais tes identifiants ou pas? Ah oui. Ok, bah c'est carré. Normalement, c'est bon, les gars. On va appeler les gars si ça arrive. En gros, on va essayer de récupérer tous ces skins. C'est vrai qu'il y a 2500 euros de skins à peu près. Ouais, donc on va les appeler, on va voir c'est comment. En vrai, dis pas que genre c'est déjà supprimé. On l'a dit, genre c'est mon fils, comme ça ils vont prendre au sérieux. Genre en fait. Mais vraiment, toi, t'es mon fils, toi. Mais c'est pas ta voix de jeune, fais pas ta voix de jeune. Sois vif parce qu'il va te demander, ouais, qu'est-ce que t'as fait exactement. Dis-leur exactement ce que t'as fait. Bah, sans faire exprès, j'ai supprimé les skins en cliquant sur. Tu fais genre, tu connais pas, tu dis skins, comme ça ils vont y croire que tu connais pas Fortnite. Et ça devrait être carré. Vas-y, les gars, on va se trouver tout de suite alors. Bon, est-ce que je suis ton père et je te donne la parole quand? Je te dis, ok, parle pas. Mais Younes, Yacine, regarde pas, rigole pas. T'inquiète, si je rigole, je me casse, t'inquiète. Tu te casses, c'est bon. Vas-y, Younes, on compte sur toi. C'est un pays, un je sais, je vais rigoler. J'espère que ça va pas être un blader. Allô? Allô, bonjour, c'est Epic Games. Oui, bonjour, je vous appelle concernant une nouvelle. Mon fils a malheureusement supprimé tous ses skins et bah, il peut pas les récupérer. Je veux savoir comment on pouvait faire. Comment avec le bouton, avec la prise? Vous n'avez pas un fil rouge derrière la PlayStation? Bah non, ma PlayStation, c'est pas une bombe, monsieur, c'est des fils noirs. Ah, je comprends, mais c'est une pince. Une pince? Vous avez la pince? Non, j'ai pas de pince. Vous avez un compas, peut-être? Un compas? Oui. Je vais vous passer mon fils, parce que moi, je m'y connais pas niveau technologie. Je vais vous expliquer. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. J'ai joué à Fortnite et sans faire exprès, j'ai perdu tous mes skins. Skins? C'est quoi skins? C'est sur Fortnite, les skins. Ah, d'accord, ok. C'est pas de problème. Alors, vous pouvez me donner votre pseudo, peut-être? Je vais essayer de rentrer sur Internet et voir directement comment ça se passe. Alors, c'est code familia. D'accord. JR. Vous écrivez? COD. Fiston, tu as pris des leçons, Fiston? Oui. Dis-lui bien la lettre. Off. D'accord. A. D'accord. M. D'accord. I. Code. Code familia. COD. Monsieur, comment je peux récupérer mes skins? Frey la base, Frey. Frey. Ah. Pardon? Freebox, Frey, t'as tout compris. Ah, d'accord, je connais, d'accord, c'est le nouvel opérateur, c'est bien ça? Oui. Ok, d'accord, bon, en fait, je vais comprendre le problème. Vous avez précommandé ou pas la PlayStation 5 encore? Oui, tout à fait, Micromania, oui. D'accord, c'est bien, fallait pas la commander là-bas, c'est la commander. Oui, tout à fait. Mais excusez-moi, monsieur, vous n'avez pas l'air de très bien comprendre. Il y a pour 2500 euros. Moi, j'ai mis toute mon âme, j'ai mis toute ma paye du mois de janvier dedans. Et il faut retrouver les skins. Ah, d'accord, je suis vraiment désolé, mais je pense que ça doit
doit vraiment venir de là. Vous avez commandé la PlayStation 5, c'est pas au bon endroit. Et du coup, les skins ne peuvent pas être accumulés là-dessus. D'accord, très bien. Et pour un remboursement, ça se passerait comment, du coup? Alors, pour le remboursement, c'est par chèque. Je sais pas si vous voyez. Oui, tout à fait. C'est directement par chèque. Vous imprimez un chèque sur vous numérisez et vous me l'envoyez directement chez Epic Games. Vous enverrez directement le address mail. Je dois vous envoyer un chèque. Voilà, c'est ça. Un chèque numérisé. Vous écrivez bien, voilà, dessus. Et on vous renvoie directement tout l'argent dessus. D'accord, bah, je vous remercie, monsieur. On va faire ça et on vous renvoie un chèque très prochainement, en 2024. Il n'y a pas de problème. Merci. Au revoir, bonne fin de journée. C'est vraiment les pires. Ouais, c'est quoi, c'est vraiment les pires. Oh là. Elle est service client. Ouais, ça, ouais. Et c'est comme quand t'appelles SFR, tu tombes sur des bleds. Et il a dit, on doit leur envoyer un chèque. Oh là là. Il t'a dit, est-ce que vous avez essayé de réteindre et rallumer votre PlayStation 4 avec un compas. Avec un câble rouge. Avec un compas. Oh là là là. C'est un mal d'une pince rouge. Oh, je suis désolé, Omar, t'as perdu tous tes skins. Hein. Quoi? Comment on fait? Tu me donnes ton rouge. Je sais pas comment faire. Ça, je sais pas, les gars, vous avez pas des solutions dans les coins? T'as pas commandé chez Maxi? Ah, peut-être il a raison, il faut juste débrancher et rebrancher avec le câble. Hein. Tu penses? Bah, peut-être. On a même pas essayé, c'est vrai. Il y a un câble rouge derrière, Sofiane? Ouais. Enfin, il y a pas un câble rouge. Mais le câble d'alimentation, peut-être c'est ça qui parlait, peut-être. Ouais, faut peut-être essayer. Mais il a dit rouge, le câble il est noir. Peut-être il voit mal, peut-être il est albinos ou il est. Il a stigmate. Il est peut-être albinos. Je sais pas. Il a envie de se faire virer. Comment ou je sais pas. Mes skins alors. Je sais pas, Omar, je les appelle devant toi, frère. Il t'a pas mis skin, ni ce qu'il me rapporte. Non, c'est que des skins, tu peux jouer sans skin. C'est que des skins, tu joues sans skin et c'est du jeu, les gratuits. Au pire, ouais, au pire on fait quoi? Tu lui passes ton compte, toi tu joues sans skin, toi, tu t'en fous. Ouais, mais tu t'en fous. Je t'aurais passé mon compte, mais il joue à Call of, moi, désolé. Je sais pas. Ouais, mais que le compte Epic Games, il jouera sur l'ordi, c'est pas grave. Ouais, sinon on va récupérer les skins, les gars, c'est pas normal. Est-ce que tu sais, il est où le siège? On peut pas y aller en personne? Non. Si on aurait pu aller en personne, ça aurait C'est pas en France, je crois. C'est des Anglais. Parce que là, clairement, le mec, il s'est foutu de notre gueule. Il a dit quoi? J'ai pas compris. Il a dit quoi? Il a dit en gros, faut prendre la Play. Il a parlé de PS5. Il a dit, faut commander la PlayStation 5 à Maxi Games. À Maxi Games? Pas à Micromania. Parce que je crois que Epic Games, ils ont pas un partenariat avec Maxi Games. Mais je crois peut-être. Qu'il a dit, comment ça s'appelle, pour envoyer un chèque, mais avec la signature, mais sans c'est montant. Pas à nous de payer. Mais sans le montant. Bah oui, si on envoie un chèque sans le montant, c'est eux qui mettent le montant. Bah oui, ils vont mettre 100 000 euros. Il a voulu t'arnaquer. Bah oui. C'est ce que j'entends. Mais ce numéro, tu l'as trouvé où? T'es sûr que c'est un vrai numéro? Sur le Darknet. Sur le Darknet. De quoi? Darknet. T'es allé sur quoi, Younes? Ça se trouve, c'est un mec qui s'est passé pour Epic Games, il a voulu te carna tous tes trucs, tes papiers et tout. Là, déjà, t'as dû payer je sais pas combien là avec la facture du téléphone. Oh là là. En plus, t'as pas remarqué, gagner du temps? Au moins, j'aurais essayé. Au pire, moi, je dis juste, on va tester. Ça se trouve, s'il faut juste l'éteindre et la rallumer, ça se trouve. Ouais, c'est possible. On va essayer. On va essayer et si ça marche, bah. Tant mieux, si ça marche pas, tant pis pour toi. De toute façon, vous verrez dans les prochaines vidéos si la nouveau skin, c'est que ça a marché, sinon, c'est que ça a pas marché. Bah les gars, j'espère que ça vous aura plu quand même, on aura tout fait, on aura essayé. On a appelé, on a tout essayé, mais ça marche pas. Hein. Désolé. Je veux que je vous dise. Ça marche pas, bah c'est pas grave, au moins tu peux continuer à jouer à Fortnite, si t'as pas de skin. Ouais. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Ouais. On verra ce qu'il en est. La prochaine fois, tu vas voir.